Et là, on devrait être bon. Alors, normalement, on va jouer 10 minutes parce qu'on est à 75%. Ah, 75%. Je pensais qu'on était à 90%, genre. Ok. Ok, ok, ok. On est à 75%. Bon, du coup, normalement, on va jouer 10 minutes parce que c'était la fin et que j'ai dead quit, comme on dit. C'est-à-dire, j'avais autre chose à faire et genre un date. Et le truc, c'est que bah, je suis parti avant la fin du jeu. Est-ce que le HUD il est parti? Je ne sais pas, je ne le vois plus. Alors, est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Bon, bah, laisse partir. Comme ça, bah oui, charger, parce que supprimer, ça serait compliqué. Alors, on n'oublie pas, dans le dernier épisode de Gato Roboto, on avait fait pas mal de choses. Et on avait, voilà, on avait un peu abandonné plein de trucs, mais on avait débloqué pas mal de choses aussi. Attendez, je vais essayer de me positionner pour que mon dos souffre moins. Voilà, comme ça. Position squat. Et du coup, on était à ce moment-là. On avait presque tout débloqué. Et on fonçait comme ça dans le tas, en courant. Ah oui, il y avait le dash aussi. Alors le dash, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est ça, c'est R. Donc, c'est un Metroidvania. Où je m'en fiche un peu de prendre des coups. On est un chat dans un mecha. Bah attends... Ah, mais... Et c'est de la lave, hein, je précise. Et donc là, on était du côté des expériences... sur les animaux. Et on cassait tout. Je crois que j'ai... Non, c'est pas ça. Ah! Voilà. Et lui il m'énervait. Donc je sais plus comment j'avais fait. Avant j'avais une technique, mais maintenant ça a changé. Waouh. Ah oui, on avait. J'ai l'impression qu'on a perdu le problème de la vitesse. Peut-être moi. Donc là faut que je me réhabitue aux Metroid, ce qui est compliqué parce que je ne joue pas beaucoup à des Metroid. Ouais. Voilà. Voilà. Ah oui, il y avait cette histoire. Il faut que je dépose le mecha en haut. Que je passe en mode chacha qui monte sur... Et dans mon super sous-marin, je défonce tout le monde avec des mines. Bim, 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 bim. Voilà. On passe entre les boules. Voilà. On passe en haut. C'était quoi ça? C'était quoi ce missile à tête chercheuse? C'était le... Depuis quand il y a des missiles à tête chercheuse contre nous? Bon. Ah, oh, je suis deg. Ah, oh, je suis bloqué. Oh non! Ah, oh, j'ai perdu tellement de vie là. Aïe aïe aïe. Si vous voulez, on peut... si vous êtes dans le coin, déjà. Ça me dérange pas de parler d'autre chose, hein, parce que là, c'est un peu du... je kill tout le monde. C'est pas... c'est pas non plus le... Le jeu, le... Voilà, c'est bon. Ok. Le jeu le plus réfléchi non plus du truc, hein, c'est quand même juste... Est-ce que je suis dessus, là? Je suis même pas sûr. Si j'embarque mon mecha, là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de sujets actuellement, d'actualité surtout. Et si vous voulez qu'on en discute, c'est pas un problème. Mais je pense que de toute façon c'est peut-être un peu plus intéressant de discuter avec avec Ella dans sa revue. Donc sans doute même plus intéressant. J'ai pas grand chose à dire. Wouah, mais il y a vraiment une tête chercheuse, c'est un délire, c'est quoi ça? C'est toi là qui tire ça?
Je les ai jamais laissés tirer. Ah, c'est ça, ils tirent des missiles à tête chercheuse. Bon, on va monter. On va attendre que la boule passe parce qu'on va mourir sinon. Parce que c'est one shot si on... Mais je veux monter en fait. Voilà, et là on court pour amener le mecha. Ah mais il y a encore un tête chercheuse là, qui se balade. Oh, j'avais pas vu les pics. Oh Dane. Bon, on va y arriver. Je l'avais fait d'une traite la dernière fois, mais apparemment c'est fini. C'était un autre jour. Peut-être qu'on va peut-être faire 20 minutes, 30 minutes. Ah, le feu. 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Un truc en style. Lol. C'est pas vraiment 10 minutes du coup. Quelle carotte. On va peut-être pas jouer à Dice Doom Jones. Oh non mais... Problème de la manette hein. Bon, on va les taper parce que ça m'embête de les attendre. Ah, c'est un piège cette histoire de méca là. On continue. Donc là on peut faire ça. Donc on va ouvrir pour pouvoir passer le méca parce que je crois que c'est ça l'histoire. Il y avait un petit soft clock là. Bip bip bim 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 bim. Oh, j'ai failli mourir 6 millions de fois. Voilà, on pose ça ici. Dans Elden Ring avec cette histoire de distance et de rythme. Ah, lol. Ouah, non mais. Je ne te permets point. Non mais. Voilà, merci. Ça, on l'avait pas fait bien la dernière fois. Pupupu. On l'a pas fait bien aujourd'hui non plus d'ailleurs. Donc. Je sais pas s'il y a une sauvegarde ici. Ce serait bien qu'il y ait une sauvegarde quelque part. Oh là là. Là, peut-être. Ça pue le non-sauvegarde, ça. En plus, il y a des artilleurs. On va passer par là. Hein. Ah, faut que je passe en mode chacha. Et ça y est, miaou. Miaou. Comment je fais? Ah oui, il faut que je monte par là, bien entendu. Ah! Bon, j'espère que je vais pas mourir. Parce qu'on est un peu loin de la sauvegarde, là. Bah, du coup, je sais pas dans quel sens, on va dire de ce côté-là. Voilà. Mais, on peut pas sauter plus haut? Nouveau, ça? C'était juste ça. Attention à tous nos visiteurs non humains. Petite chatte. Miaou.
Pour information, avant que vous n'alliez plus loin, la fonction retour de l'ascenseur a été désactivée. Une sécurité n'est pas garantie. Ok, vous allez en quelque sorte franchir le point de non-retour. Ah, en d'autres termes, si un humain vous contrôle et désire retourner en arrière pour récupérer des artefacts quelconques afin d'assouvir un désir d'accomplissement à 100%, alors c'est maintenant qu'il doit faire demi-tour. Hi-ha-hou. Bien dit. Vos miaulements vont me manquer. Soyez prudente. Bon, on va essayer de faire... Donc là, c'est le bouton du truc. Mais est-ce qu'on peut passer par là? Voilà, on va sauvegarder. On va sauvegarder, on va juste aller voir les... l'autre côté parce que... Je n'ai pas un besoin de 100%, mais quand même, on va aller voir. Ah. Ça, c'est un peu plus chiant. Ça a l'air chiant, juste pour faire le retour. Moi, je vais juste aller voir là. Qu'est-ce que c'est que c'est ici? Ah bah, il y a une sauvegarde ici aussi. Intéressant. Ah, on avait vraiment arrêté devant le dernier boss, quoi. C'est... That's his life. Tu sautes. Voilà. Voilà, quel enfer. Mais où est-ce qu'on est? Petit bouton. Allez, venez. Non. Voilà. Ah, merci. Oh. Oh, le timing. Merci. Ah non, c'est le boss. Non, c'est pas un boss. Hein. Il va se prendre des piques s'il se retourne. Ouais, vas-y. Non. Par contre, je dois te finir. Ce serait bien que tu reviennes. Merci. C'est quoi ça? Un bouton. Miaou! Journal de sécurité, entrée numéro 2309. C'est Jinibo pour signaler une infraction du protocole. Ce premier cher de docteur se comporte comme un petit rat. J'ai donc pris l'initiative d'enquêter sur lui. À plusieurs reprises, je l'ai trouvé dans un état agité. Peu dans les expériences. Mais je crois que je l'ai déjà lu, ça. On est revenu au début. Il a détourné des fonds, ouais, des médicaments dans le but de prolonger. Oui, ça, on l'a lu. Ça, on l'a lu. Monsieur. Oui, on est revenu, là. Bah ouais, mais c'est pas intéressant, en fait. Bon, bah, allez, on continue, du coup. Oh là là, la vie, tout ça, la vraie vie, tout ça. Dur. Ah! Ah! Je peux plus remonter. J'aurais dû m'en douter de cette histoire. En fait, il vaudrait mieux que je meure. Hein, parce que... Bon, c'est pas grave. On va faire tout le tour. Ça, on va vérifier les trucs. Pip, 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 pip. Oh non, il y aura encore l'histoire de l'eau. Ah, oh, je préfère mourir. Si je meurs, bon, on sauvegarde pas sur le chemin. Hein. Oh là là. Quel enfer.
C'est où qu'on monte comme ça après? C'est là qu'on monte? Oh! Je suis mort. Est-ce qu'on revient tout là où on était? Oui! Super, très bien. Allez! On ne saura jamais ce qu'il y a dans cette salle. Trop bien. Je suis curieux, mais pas, faut pas au point de perdre du temps. Enfin, perdre du temps. J'ai envie de faire tout le tour, en fait, surtout. Toum, 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 toum. Bon, bah, on descend. Hein. C'est parti pour le boss final des internets. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Oh! Oh! Oh non! Oh là là, mais quel enfer! Il pleut des grenouilles. Mais comment qu'on fait? Ah oui, c'est le dash. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est un truc à faire perdre des vies. Quelle carotte. J'ai perdu trop de vie, gratuitement. Oh là là. En plus, tu décales le truc si tu tires dessus, mais quel enfer. Oh, je l'ai eu. Ah là, j'avais pas vu ça. Alors. Et pourquoi les boules? Pourquoi les boules? Ah, ah, ah. Bon, bah, on a bien fait de descendre, hein, parce que ça va prendre du temps. En plus, faut que je me réveille, tout ça, la vraie vie. The real life, qui est aussi le fait de jouer et d'être sur internet, bien entendu. Hein. En fait, je crois que j'adore la musique, mais faut pas le dire. D'ailleurs, faut pas hésiter à aller voir la vidéo d'anniversaire de Anartube, donc la chaîne Anartube. Pour avoir un petit topo aussi sur la musique, parce que c'était la fête d'anniversaire de d'Anartube. Poum, 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 poum. Et ça parlait beaucoup de musique, parce que c'était l'émission musicale aussi. Toum, 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 toum. Alors, comment ça va se passer? Oh là là. Oh là là, les sauts, tout ça, là. Ouais, je vais trop vite. Voilà, faut vraiment que je vise en haut, en fait, avec les tortues, avec les... Voilà, comme ça, c'est mieux. Concentration. Aïe. Voilà. Ah, je l'ai fait. Dane, faut pas que je reste au milieu. Oh là là. Mais j'appuie là. Manette. De caca. Non, dans le son. Oh là là. Mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Mais la manette, tâche. S'il te plaît. Respecte-moi. Mais non, la grenouille, respecte-moi aussi. Poum, poum. Bon, faut que je m'y remette parce que...
En fait, j'aurais jamais dû m'arrêter parce que le truc, c'est ça. Là, tu perds le rythme, bien entendu. Et en plus, ce passage-là est chiant comme la mort. Vraiment pour te faire perdre un peu le rythme aussi. Ok. Franchement, que le stop shot là, il marche archi bien. Hein. Stop shot. Ah, par contre, ça c'est pas marrant. Moi je trouve ça marrant de bien traduire les rigolos, les blagues marrantes. Enfin, pas les blagues marrantes, mais les rires. Ah, bon, on va sauvegarder ici, mais oui! Comme ça, ça nous évitera. C'est, j'ai oublié cette histoire. Ça nous évitera de faire des bêtises. Oh là là, le. Oh là là, deux fois, trois. J'ai masse de vie, mais faut pas déconner. Oh là là. Eh, c'est tellement. La manette vieille, quoi. Mais, ah. Oh, je l'ai eu. Désolé pour toutes les grenouilles. Hein. Il y a eu tellement de cadavres de grenouilles dans ce jeu. Oh là là, comment t'as foncé sur moi, toi? Ah. Oh là là. Oh non. Ah, oh, je l'ai loupé. Oh là là. Oh le... Quel enfer. Pourquoi le drone tu veux pas partir? Mais le... Le dash c'est une fois sur six. Hein. Oh là là. Non mais là, dash. Oh là 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 là, le dash. Mais... Manette, attendez. Manette, s'il te plaît. Fonctionne sur le R. Sinon je vais devoir changer le map. Waouh. Bon, là ça marche mieux. Ah, c'est mieux. Je fais un combo au moment de mourir, c'est magnifique. Allez, la musique là. Oh. Ah. Ah, ils sont gentils avec moi. Perdu trop de vie là. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. Ah non, mais le dash. Le dash est parti. Ok. Donc, où tu te fournis en grenouille, toi? Oh, et pourquoi il est arrivé de l'autre côté, là? Quel enfer. Je vais jamais l'avoir. C'est bon. Pourquoi ça se recette, en fait? C'est une boucle, ça se recette. Quel enfer. Oh. Mais je vais jamais l'avoir, lui. Mais arrête de... Pourquoi tu suis les boules? Oh là là, la grenouille. Ouah. Ouah, je l'ai loupé. Oh là là. Oh non. Mais non. Quel enfer. Faut que je me reprenne, comme on dit. On va y arriver. Hein. Bon, c'était pas 10 minutes, bien sûr. Il faut. C'était un peu trop arrogant comme position.
Donc je vais jouer comme je peux faire à Dark Souls, genre. C'est totalement être décomplexé du jeu. En fait, c'est vraiment l'enfer. J'aime pas ce système de jeu où les choses ils tombent sur toi. Ah. Ah. Voilà. Oh non! Pourquoi il est revenu de ce côté-là? En fait, c'est à chaque. J'ai l'impression que c'est à chaque. Oh, je l'ai loupé. Ah, je l'ai touché une fois. Bon, c'est déjà ça. Mais arrête d'être avec les boules. Merci. Oh non, mais comment tu veux que je fasse ça? Le truc a reset en même temps que moi. Mais c'est pas possible. Mais... il a de la chance, il est protégé par sa grenouille à chaque fois. Non mais par contre, il y a une deuxième grenouille là. Waouh, il y a la drone et tout. Ah, au moins, il n'y a plus les boules. C'est déjà ça. Et il y avait un trou, non? Non, mais il y a des artilleurs en plus. Mais quel enfer. Waouh. Non mais. S'il vous plaît, respectez-moi. 3 secondes. S'il vous plaît. Waouh. Oh. Non mais la vie, là. Non, dans le dos. Oh, traîtrise. Mais les boules, c'est déjà compliqué. En plus, là, il y a tout le monde. Mais non. J'ai 13 vies. Comment je vais faire? Bon, désolé, les petites gonouilles. Hein. Surtout quand vous m'attaquez pas. Hein. C'est moins marrant. Non, c'est pas marrant du tout, non. Oh! Oh! Ah, si on perd pas de vie à ce moment-là, c'est magnifique. Oh, mais bon, j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. Ça, c'est le meilleur passage, hein, quand même, non? Voilà. Ça, c'est le pire. Vas-y! Ah, je l'ai loupé. Faut vraiment pas que j'utilise ça en fait, quand même. Oh là là. Oui! Ça c'était bien. Ah! Oh là là, je perds des vies gratuitement. Bon, là ça va être moins marrant. Je lui fais tomber sa grenouille. Mais quel enfer! C'est bon? Fallait que je passe là? Il y avait une entrée, mais c'était ça? Ah, c'est bon, on a réussi. Il y avait un passage en haut. Oh la vie! Trop bien. Ok, cool. Il y avait un passage en haut, on l'a vu, mais on l'a pas pris. Bon, ça va, c'était pas si pire que ça, comme on dit. C'était suffisamment pour... courager. Bon, on continue. Oh, mais quel enfer! On reste ici. Hein. Ici, c'est bien. Wow.
C'est quoi ça? Ça a l'air d'avoir des lames en hauteur. Ok. Bon, c'est un nouvel ennemi, on l'a appris. Ça aussi, ça se protège. Nick. Ah ouais, non, mais c'est les artilleurs. Est-ce que j'ai vraiment besoin de les taper? Apparemment. Et là-haut, je peux... Quelque chose se passe? Non. Ok. Je fais que passer. Laissez-moi passer, merci. Il y a des fois, il faut abandonner. Hein. Hop, hop. Là, c'est quoi ici? Une vie, très bien. J'étais à mid-life déjà? Waouh, quel enfer. Quel enfer. On peut pas pousser ça? Bien entendu. Là, le, par exemple, le dash, il a pas fonctionné. Bon, on va faire comme s'il y avait rien qui se passait. Voilà, merci. Ah, c'était de chercher ça. Ouah, dans l'autre sens. J'ai perdu de vie ici, ça c'est bien. Ah non, mais par contre, là, il est là. Non mais... S'il vous plaît, respectez ma vie. Ah voilà, on va rester là. Ah, l'air tireur, il a l'air faible en fait. Wouah, la vie elle part tellement vite. Merci. Non mais j'ai pas le temps en fait, j'ai pas envie de m'amuser avec vous. Voilà, comme ça. C'est bien. Ah oui, c'est de l'eau. LOL. Je suis en méca, bien entendu. Oh, bonjour. Un nouvel ennemi encore. Il va me lancer des caisses? Non. Du coup... Ah! Bon, reste là. Hein. Wow. Reste plus là. Waouh. Ah, t'as de la vie, hein. Ah, et tu... D'accord, ok. Et du coup, tu t'es pas stun. Ok. Reste bloqué là. Reste bloqué là. Voilà, merci. Oh là là. En fait, je suis obligé de monter. Oui, on remarque. Non. Oh. Wow. J'adore hein, les plateformes qui bougent comme ça. C'est vraiment mon dada. Salut. Je veux plus te voir, je veux plus te voir avec ta tête chercheuse là, pars.
Mais il a failli me bloquer, lui. Ah, mais faut vraiment que je tue tout le monde. Oh, quel enfer. Et voilà. Voilà, voilà. Et du coup, le dernier... Bon. Moi, c'était dans son dos, hein. Merci. Toujours pas la vie. Ça sent le caca. Comment je vais faire? Parce qu'en fait, ce serait bien que je reste ici. Voilà, je vais rester là. Strat from software, hein, bien entendu. Donc déjà, ça fait 1. T'approche pas. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ah, mais t'es pas obligé de t'approcher, hein. Merci. 1. Voilà. Ah, j'étais pas obligé de les taper. 1. Je suis censé rebondir, c'est fou. Merci. Oh là là. Mon pire ennemi. Non, l'eau. Oh là 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 là, tout le chemin qu'on a parcouru pour rien. 1, 2. 1, 2. Poum, 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 poum. Bon, on va pas les taper, hein. Ah bon, peut-être, si on perd trop de vie. Oh là là. Oh là là. C'est ça, tout ce qui se passe. On va taper lui, là, parce qu'il m'énerve. Ah non. Avec tes doigts en C. Huch! Non! Voilà. Quel enfer. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais juste rester sur ce truc-là pour pouvoir bien le taper. Oh, je peux faire ça, remarque. Oui, c'est vrai que c'est pas bête, ça. En dessous. Bon, bah, on va monter sur la plateforme, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ok. Wouah. Et il y a moyen de le faire, en plus. C'est ça que... C'est juste que je suis pas bon dans mon saut. Non, on va là-bas. Bon, lui, on s'en fiche. Tant qu'il n'y a pas la tête chercheuse, tout va bien. J'aurais dû le faire par en dessous, la technique de tout à l'heure. Par ! Voilà, tiens. Voilà, comme ça, c'est mieux. Il veut pas s'approcher de moi. Il veut pas être ami. Mais non, comment tu l'as jeté là? Tu fais quoi? T'hésites? Moi j'hésite pas trop, hein, à son coup. J'ai envie de te voir. Oh là là, la lame à la fin. C'est moi qui l'ai bloqué ou il se passait quoi là?
Je sens que c'est là où je perds toutes mes vies, hein, bien entendu. Ah, merci. Allô. Oh, quel enfer, l'eau. Tu veux pas venir dans mon champ de rayon d'attaque? Quoi? La lame? Merci. Quel enfer. On va l'avoir. On va l'avoir. C'est bon. On l'a eu. Hop. Oh non, c'est les flammes. Ah! Non, mais s'il vous plaît, respectez-nous. Pourquoi je suis descendu? Je voulais pas descendre. C'est vraiment pour nous faire descendre. Là. Et puis on va se débarrasser de lui parce que lui veut nous faire descendre. Nous on veut pas descendre. On va aller du côté du drone là. Voilà. Normalement, quand il reviendra, j'aurai fini avec lui. Voilà, merci. Ah. Bon, là, il va nous bloquer. Ouais, je l'ai même pas touché. Okay. Indignité. Ouah, non. Et en fait, ils m'en veulent vraiment. Ah là 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 là. Bon, on a fini, hein. Je pense que c'est la fin. On sauve tout le monde de leur expérimentation, si on peut. Ah! Tiens donc, ne serait-ce pas là mon ennemi à fourrure? Mi-a-ou! Ne sois pas si arrogante, tu es exactement là où je voulais que tu sois. Tu ne t'en es pas rendu compte. Tous les défis que tu as relevés, tous les pièges que tu as déjoués, tout ça n'était qu'une série de tests pour déterminer si tu ferais un hôte convenable. Tu feras un hôte parfait pour mon pauvre chien, Barclay. Il est malade depuis très longtemps. Je l'ai maintenu en vie dans un tube hydroglobulaire. Mais je savais que tôt ou tard, il faudrait que je trouve une autre solution. Une autre solution. Une autre solution. Est-ce que ce serait pas le storytelling de Mr. Freeze, hein, dans Batman? J'ai donc infiltré la base de données militaires et je vous ai trouvé. Gary et toi, étiez les autres parfaits pour Barclay et moi. Alors toujours envie de rire? Lorsque j'aurai le corps d'un soldat et le cerveau de quelqu'un qui a tué tellement de gens, tellement... Imagine mon bonheur quand j'ai vu que Gary allait passer dans ce secteur. J'ai réparé le transmetteur galactique et j'ai envoyé une alerte de sécurité. Ensuite, vous avez été assez idiot pour vous écraser juste à côté. C'était à cause de... du 4. Hein. La fière allure. Le soldat coincé dans son vaisseau. Heureusement que son corps n'a pas trop souffert. Maintenant, je vais transférer ma conscience dans le corps de Gary. Et me débarrasser enfin de cette enveloppe minable. Ensuite, je ferai la même chose avec Barclay et toi. Je leur ferai regretter ce qu'ils m'ont fait subir. Ils m'ont traité comme une vermine. Mi-a-ou. Je te demande pourquoi j'ai fait ça? Je ne m'en souviens même plus. Lol. 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 Ah, mais les yeux, s'il vous plaît. Ah ouais, bah, j'étais sûr qu'on allait se taper contre lui. C'était obligatoire. Mais arrête avec les yeux, là. Ah, c'est Robotnik, maintenant. Ah, attends. Ok, c'est ça. C'est pas très compliqué. Je suis sûr qu'on peut faire la Robotnik en passant par au-dessus. Non. Oh là. Oh mais... Quel enfer. Mais c'est ça.
Monsieur, vous avez des scies à la place de roues. Oh. Trop de vie perdue pour rien. Moi, je veux pas repasser le passage du rire du méchant. Hein. Si c'est possible. Mais comment tu veux éviter ça? Et quel enfer. Oh là là. J'ai du mal à comprendre comment on peut éviter ça. Est-ce qu'on est obligé de se retaper la discussion hein? C'est par là? Je sais même pas. Non, c'était pas par là. Attendez, je vais reprendre la vie parce que je fais n'importe quoi. Oh, les yeux, mais c'est pas possible en fait. Quel jeu de l'enfer. Oh non, la discussion. Ah mais si, c'est allé vite, ok. Non mais les yeux par contre, s'il te plaît, respecte-nous. J'ai regardé le retour parce que j'ai l'impression que c'est violent pour moi, mais j'imagine que pour vous aussi. Ça enlève pas mal de vie. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça, je peux le faire aussi. Oh, ça marche moins bien. Ah oui, je peux faire ça aussi. C'est vrai. Par contre, est-ce que c'est pas un nombre de... Ouais, c'est ça, c'est un nombre de coups, je pense que ça joue. Ouais. Mais ça, c'est l'enfer, ça, ce stomp, là. Pourquoi le jeu a décidé d'être dur à un moment spécifique, je ne sais plus. Après peut-être que le truc qui me manque c'est un truc genre laser. Tu vois, je peux le bloquer, je sais pas. Purée, mais les yeux là par contre. Poum 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 poum. Ah, il a changé vite fait là. Ah, c'était bien ça. Bonne première phase, monsieur. Oh là là. Ouais, c'est ça, c'est deux fois en fait qu'il faut le taper uniquement pour pouvoir qu'il arrête sa phase de caca là. Mais non, mais c'est sérieux ça. Comment tu veux que je fasse? Ah, faut juste que je patiente, ok. Wow. Je le touche plus. Je perds toujours plein de vie. Hein. Ah, c'est le stomp là. Ouh là là. Mais... Comment tu veux que je me débarrasse de ça? Ouais, j'y arrive plus. Allez.
Allez. Oh là là. Oh là là, trop bien. Eh bien, en une heure, on a tapé Gary, et on a récupéré de la vie. On peut aller sauvegarder, là? Juste à côté, non? Non, c'est après, peut-être. Non mais... Pff. Que voilà, Kiki. Mi-ha-ou. Alors, tu vois, c'est là que tu vas aller. Pour ton dernier repos. Tu n'es pas fatigué? Mi-ha-ou. Tu penses m'avoir vaincu? Ah, comme si j'avais besoin d'une combinaison. Bah, on va voir. Sans combinaison, je suis sûr que je peux te taper. Avec ce corps et ses pouces opposables, je vais pouvoir t'éliminer. Ah, mais non, mais ça s'appelle un flingue, ça. Je te présente mon dernier joujou. Miaou. Autant te dire que je crois qu'il est temps de se dire adieu. Ah, lui aussi, il a la même tech. Non mais j'ai plus de vie que toi, hein. Je suis un chat. C'est le mec, pourquoi tu voles? C'est quoi cette histoire? Non mais... Je suis mort ou je suis vivant? Il se passe quoi, hein? Mais les yeux, s'il te plaît, respecte-nous. C'est fini, petite chatte. Tu es coincé, tu devrais te rendre. Ton enveloppe a été suffisamment endommagée. Alerte. Perturbation détectée. Ordinateur, ne m'interromps pas. Saisissez le mot de passe pour libérer les tubes hydroglobulaires. Ça suffit, je n'ai pas besoin de toi. Incorrect. Veuillez saisir le mot de passe. Miaou. Correct. Libération des tubes hydroglobulaires. Le chat. Le chien. Le chat, il va jouer avec nous. Barclay. Reste dans ton tube. Ton état n'est pas assez stable. Barclay, qu'est-ce qui te prend? Tu ne me reconnais plus? C'est moi! C'est Otto, ton ami! Il a pas l'air content. Ton maître! Attaque de chien, mais il faut arrêter avec les yeux, hein, par contre. Paf! Paf! Eh oui, c'est une histoire d'amitié entre un chien et un chat. Miaou! Oui, c'est vrai, t'as raison, Barclay, j'avais gagné. Mission terminée. Et voilà. Attends, j'enlève la cam, juste pour la fin. Hop. Taux de réussite, 75%. Temps, 3h32.58. Alors ça, j'ai commencé à m'inscrire sur Long2Beat, donc du coup, hop, on va le noter. 3h32.58. J'aurais pu finir plus tôt, je pense, mais... Voilà. Poum, pim, poum, pim, poum. Attends, je vais mettre un peu plus de musique... Pour vous enjaille. Bon, c'était pas mal, mais par contre, ouais, les... Comment s'appellent les yeux, là, c'est violent. Hein. Surtout la fin, là, je trouve que c'était pire qu'avant. Je sais pas si c'est parce que j'ai augmenté la luminosité, mais... Vanessa Douglas Combs. C'est marrant comme nom. Je sais pas si c'est son nom réel ou non, pseudo. Non mais moi j'aime bien en fait. J'aime bien ce... C'était un bon jeu. C'était un bon jeu. Bon maintenant, si on passait à essayer de se casser la tête sur Dicey Dungeons. Donc, on va jouer à Dicey Dungeons si vous ne connaissez point. Bah c'est simple, hein, on lance des dés. Voilà, je quitte le jeu. On lance des dés, j'ai pas besoin de la manette, je vais peut-être enlever la manette aussi pour pouvoir soulager l'ordinateur de ses ressources. Hop, bonjour, au revoir.
Donc Dicey Dungeons, c'est quoi Dicey Dungeons? On va peut-être, je vais peut-être modifier le truc, on va se mettre en mode game. Dicey Dungeons, c'est un jeu où en fait tu joues des dés, mais vous allez comprendre, de toute façon il y a le début qui est bien expliqué je crois. J'ai un peu joué la dernière fois pour pouvoir